Simon Mannix, patron de l'entraînement, donne le tempo. Enchaîné, percuté, les joueurs de la section paloise se préparent au combat. Ce samedi, c'est le champion Clermont qui visite le hameau. Une 13e journée du top 14 importante. Les Bernais, actuels 10e, sont toujours à la recherche d'un match référence pour revenir dans le haut du classement. On a perdu déjà deux fois à domicile, donc on a grillé tous les jokers. Maintenant, ça va être aussi de prendre une grosse écurie comme Clermont, qui est en pleine bourre, on va dire, après leurs deux matchs de Coupe d'Europe et qui sont en pleine confiance. Ben, ça va nous permettre de vraiment nous juger. Et puis, il va falloir qu'on élève notre niveau pour qu'on puisse continuer sur, on va dire, essayer de gratter ce haut du tableau. Donc, ça va être un match très, très important pour nous. Parmi les hommes en forme, la section pourra compter sur le deuxième ligne néo-zélandais Daniel Ramsey. La ligne de trois quarts avec Conrad Smith et Benson Stanley aura son rôle à jouer. Si on gagne, tu ne gagnes pas forcément que les points. Tu peux vraiment lancer la saison, tu gagnes beaucoup de confiance. Et là, peut-être, on peut basculer vers quelque chose qui dure un peu plus. Tu vois, jusqu'à maintenant, on gagne, on perd, on n'a pas trouvé le bon chemin. Thibaut Daubagnin à la mêlée, Colin Slade à l'ouverture commanderont le jeu palois dans une équipe où les titulaires font leur retour après la Coupe d'Europe. 18 000 supporters sont attendus ce samedi dans le nouveau stade du Hameau.